Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Et quel plaisir, évidemment. J'ai toujours cru que c'était un brontosaure. On se retrouve dans un flashback 3 ans plus tôt avec une mini Ellie et un Joël bien vivant. Et quel plaisir ce petit flashback. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs. N'oubliez pas le j'aime, merci à tous ceux qui prennent le temps souvent au musée de mettre un j'aime et un commentaire. Ouais. Et on continue. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On continue notre aventure de ce musée de dinosaures, évidemment. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Hé hey. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Restons dans ce flashback toute notre vie, les amis. N'allons pas plus loin. On sait que quand on va... Oh là là, on sait que ça va être terrible, là, aux prises, avec la guitare. Ah, ça va mettre des patates à tout le monde, je vous le dis. Ça va vous mettre des patates. Allez, on continue. Oh, ah, un planétarium. Tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. On peut partir. T'es bête. Notre belle terre. Notre belle terre, juste ici. Envahie. Par... Bah, pas des zombies, des infectés. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là? Mon Mercure, vieux Vénus, tonton Terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. Ok. Bon, je peux arrêter quand je veux, mais j'arrête. Allez, on arrête. Allez, Mercure, Vénus, Terre, Mars, évidemment, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et attends, ils ont retiré déjà... Ah, ils l'ont déjà retiré, incroyable, Pluton, parce que ça a été une planète. Hey, Joël, pendant quel a été bon le premier animal à être allé dans l'espace? Ah bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futée. Merci. Et ça les a transformées en super mouches? Quoi? Non. Ah, 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 ah. Il reste quelque chose, mon petit Joël. Waouh. T'en as d'autres, des infos marrantes? D'après les astronautes, la Lune sent la poudre à canon. Ah oui, ça, c'est marrant. Mais, attends. Comment ils ont... Je suppose qu'ils ont ramené des échantillons de roches. Et qu'ils les ont sentis après. Mais les gars, mais c'est incroyable, ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Vous savez que ce débat-là, on l'a eu dans Orcam il y a 3 semaines. Parce que justement, on parlait de l'espace. N'hésitez pas, Orcam, c'est tous les jeudis en live sur ma chaîne Twitch. MRBboy45, faut bien que je me fasse de l'auto-promo. Je suis en live du dimanche au jeudi soir. À partir de 19h jusqu'à très tard dans la nuit. Et je suis là pour, évidemment, vous occuper et faire en sorte que vous passiez une bonne soirée. Donc, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch. C'est très important aussi de la follow parce que les streams, je peux vous dire, sont d'une qualité tout aussi grande en termes de fun et de plaisir tous les jours du dimanche au jeudi compris à 19h. Et on passe à la suite. Ok. Et maintenant? À toi de me le dire. T'as qu'à me poser des questions? J'en sais rien. Qui a été le premier homme dans l'espace? Ah, oh, facile. Yuri Gagarin. Gagarin, tu veux dire? Gagarin? Je sais pas comment on le prononce, je l'ai seulement lu. Enfin bref, il a décollé le 12 avril 1961. Eh ben, tu m'impressionnes. Et ben t'as voilà. Lu combien de bouquins là-dessus, au juste? Attends, Joël, tu trouves pas ça dingue?
J'aimerais bien savoir ce qui te fascine à ce point. Je sais pas. Les gens de ton époque, ils avaient une vie facile. Tout est relatif, mais bon, admettons. Je veux dire, ils étaient pas obligés d'aller dans l'espace, et pourtant ils l'ont fait. C'était... couillu. Couillu. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Allez, on passe à la suite. J'aime bien avoir plein d'infos comme ça, je trouve ça trop stylé, vraiment. Oh, regardez-moi ça là-haut, là. Alors, nouvelle entrée dans le journal. Un jour, une histoire. Et donc, comme je vous disais, oui, bah attendez, parce que j'ai carrément changé de sujet en plein milieu. Dans Arkham, donc, on parlait de l'odeur, apparemment, que des astronautes, en revenant, disaient, apparemment, dans l'espace, ça pue. Voilà, l'espace, ça pue. Et pourtant, c'est du vide, mais ça pue. Tu sais combien de fois on est allé sur la Lune ? Et là, ils viennent d'en parler, donc c'est incroyable. Six fois. T'en es sûr ? Ouais, je suis sûr. Avec moi, ça fera 7. Donc, sacré hasard, j'ai envie de vous dire. Comme quoi, tout était lié, finalement. Tout était lié. Oh, on a une belle voiture, là. Attends. Une belle et vieille voiture, par contre, non ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Trop génial ! Il est où, le volant ? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah ! Attends. C'est le vrai rover ? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. Ah, d'accord, c'était un véhicule lunaire. On va peut-être pas y aller, sur un malentendu, ça peut peut-être clôturer nos petits flashbacks, nos petits trucs sympas. On va déjà tout regarder ici. Malheureusement, là, il n'y a rien à dire. Je pense... Oh, avec la tenue des astronautes... Là, on va avoir du lourd à dire. Wow. Hey, non, attends une minute. Tu vas dans l'espace. Il te faut un casque. C'est vrai. Je suis bête. Ah, je peux choisir mon casque. Je suppose que l'anecdote sera différente peut-être en fonction du casque choisi, non ? Là, on peut pas. Là, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, j'aurais voulu ce casque-là. Non, c'est des scaphandres, c'est des trucs un peu chelous. Qu'est-ce qu'on va prendre en casque ? On a celui-là. Mansion Tree, ok. Jiminy Space Suite, Mercury, ok. En vrai, ces deux casques, ils font miskin, je trouve. Celui-là, il fait un peu casse-moto et tout, mais je préfère celui-là en vrai. Lui, c'est mon préféré. Parce que l'intérieur, ça a l'air moutonné, frérot, tu vois. Lui, un petit peu moins. Je vais prendre lui. On est dans le luxe ici, ok ? Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans ? Ça sent l'espace. Et la crasse. Et si je fais ça ? Et ça, on va tous les essayer, on sait jamais. La tête que j'ai, putain. Par contre, parfait, hein, casque à ma taille. Hein. Allez, on va remettre celui-là, il est trop stylé. Celui-là, c'est intérieur cuir, toi ouvrant, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le meilleur. C'est la crème de la crème du casque d'astronaute, ça. Allez, on y va. Oh, c'est parti, Joël, on décolle. Après toi. Attention à la tête. C'est dingue. Oh. Ok. Regarde un peu tous ces boutons. Oh, trop la classe. Putain.
Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Les visages sont trop bien faits, c'en est limite okay. Émouvant, quoi. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain! Eh ben, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Franchement, bravo à Naughty Dog, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ils sont tellement forts pour faire ressentir des émotions et créer des moments comme ça. Je trouve personnellement ce flashback extrêmement puissant. Je sais pas comment vous le vivez ou comment vous l'avez vécu, mais je trouve ce flashback d'une puissance incroyable émotionnellement. Encore une fois, je suis pas quelqu'un qui pleure devant les films, devant les jeux. Ça me fera clairement pas pleurer The Last of Us 2. Mais par contre, j'arrive à ressentir quand même de l'émotion et une puissance incroyable transmise par le jeu et tout. Et j'ai trouvé ce flashback très bien amené, très bien tourné. Attends. Franchement, chapeau. Vraiment. Allez, on continue. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller, hein? Comme ça, mon pote. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens. Non. Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse! On a plein d'autres endroits à explorer! Geronimo! Génial!
C'est parti! Allez, on y va, mon Jojo. Viens donc. En vrai, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas... Ils sont assez malins pour avoir foutu une... Oh, c'est magnifique, là, la vue. Hein. C'est magnifique. Hein. Ils sont assez malins pour avoir foutu une carte à collectionner, ou vous voyez ce que je veux dire? Assez loin, un truc comme ça. C'est beau, hein. Ah, pas de carte là-haut, hein, évidemment, mais... je vais juste voir un peu à quel point c'était... c'était sous Goy. Allez, on est parti. On se casse. On est où, là? On est à côté de Jackson? Je sais même pas. Je sais même pas, en vrai. Hey, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Aïe. Allez. Vas-y. Allez. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. Attends. En vrai, c'est chaud, non? Pensez que ça va swinguer ou pas? J'ai l'impression que ça va swinguer. Ah! Ok. J'ai récupéré... Oh, ouais, d'accord, ok. On est dans une partie sombre, les amis. Oh, garde le moral, mon vieux. On est dans une partie très, très sombre. Ça sent pas bon. Et j'ai une arme. Ok, ça sent vraiment pas bon. J'ai tué pour eux. En voilà un qui est en manque de câlin. Il fait sombre ici. Ah, voilà sur les filles. Les quatre soldats à l'entrée. Le dernier à pleurer. Ok. Ok. Ça sent pas très bon, toutes ces conneries. Donc on va pouvoir... Oh, merde. On a torturé la femme. Elle s'est noyée dans son sang. Les vagabonds qui se sont introduits dans le camp, ils voulaient juste manger. Qu'est-ce que c'est ? Montre-toi, putain. Le gamin qui s'est mis à courir, j'ai pas pu l'arrêter. Ok. On va se stuffer à l'ancienne, les gars. Ah, attends. Il y a une brique ? Je suis désolé, c'est la brique en premier. Et là, je suppose que je sais pas me battre. Ok, on va pouvoir crafter. Là, ça va être la rue. Hein. Je vous le dis. Les gens dans le fourgon, on les a enfermés dedans et on l'a arrosé d'essence. Ok, c'est très sympa ce qui se passe chez vous. On va essayer de voir s'il y a un petit cascade. Voilà. Bon! Ça sent pas bon. Hein. Ok, je peux quand même mettre des coups de briques. Ok. Aïe. Joël, il va m'engueuler. Parce que j'ai insisté pour venir ici. Et il va avoir peur de me perdre. Ça sent pas bon, les amis. Alors, une petite lettre. Nous voulions mettre un terme à la souffrance. Nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, nos chefs nous disaient que ça en vaudrait la peine. Aujourd'hui, le groupe est dissous et il ne reste plus rien. J'ai pensé que venir ici réveillerait quelque chose, me donnerait un but. Mes parents adoraient m'amener ici. C'est un de mes premiers souvenirs d'avant l'épidémie, avant la cruauté et la sauvagerie. Ces souvenirs accentuent ma colère. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne peux plus me regarder en face.
Très bien, on sait pas qui l'a écrit, peut-être lui, vu que ça a été retrouvé sur son corps. Ouais, et ben on est parti. Il n'y a pas de lumière, sans déconner. Sans déconner, c'est rien les gars, c'est putain rien. D'animaux en toc. Ah oui. Ouais. Je vois toujours rien. Oh putain! C'est exactement ce que j'ai dit. Ellie! Je suis là! Oh putain, mais il est con! C'était quoi, ça? Rien, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Tu viens? Ok, on entend quelque chose à la radio, mais on peut quand même faire un petit peu de gratte. Qu'est-ce qui se passe par ici? Donc voilà, si jamais vous voulez, vous faites s'entraîner. Et regardez, vous pouvez quasi... Voilà, quasi tout faire, gratter dans les deux sens. De bas en haut, de haut en bas. Mais voilà, vous l'aurez compris, pour tous ceux qui aiment faire de la guitare, essayez de faire des musiques sympas. Il y en a qui ont réussi... ça sans aucun problème. Et on a des parasites à la radio. Je pense qu'on a ramassé des petits trucs, donc il y a moyen qu'on récupère un flashback, la suite de là où on s'est arrêté, dans ce flashback là. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe à la radio. Par contre, j'ai entendu des gens. Bizarre. C'était par où? C'était par ici. En plus, ça doit être Dina, non? Elle est en train de dire un bail à la radio, peut-être. Ah, attendez. Ok, je suis plein. Hey. Tu me trouves toujours canon, là? Carrément. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Vraiment désolée.
pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de SCAR ? À vous. Ce ne sont pas des SCAR. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense ? C'est Tommy. C'est où le secteur 14 ? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. D'accord. Tina. Ouais. Ça va pas fort. Ouais. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Ok, Hillcrest. C'est le bon endroit ? Ouais, c'est le bon endroit. Ok, eh bien, nous sommes déjà arrivés... Ça doit être Tommy. Fais chier. Nous sommes déjà arrivés. Bah ouais, j'ai hâte de voir ce que le Tommy a fait. Il y a tellement d'endroits, mais je sais même pas pourquoi. Regardez, on peut rentrer partout, en fait, en vrai. Enfin, on peut rentrer à plein d'endroits, quoi. Peut-être pas partout non plus, encore une fois. Je vous avais déjà dit que c'était pas non plus un open world, mais enfin... 88 stimulants, c'est très bien ça, attendez. Comment ça se fait qu'on en ait autant, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? 85, pardon. Au lieu de vous tuer, c'est déjà fait. Réduit de moitié le temps de confection d'objets. Les ennemis détectés en mode écoute apparaissent plus nettement. Oh. Ça, je prends. Et en vrai, ça, je prends. Allez, hop, comme ça. Ça évolue un maximum. Transforme les grenades incapacitantes en fumigènes qui bloquent le champ de vision d'un ennemi en dégageant une fumée épaisse. Permet de remplir plus rapidement. Oh. Ok, ok, ok. Allez, vous abordez. Très bien. Attends, il n'y a pas de fil. J'essaye de vérifier au sol. Pas envie de tomber dans le panneau. Ok, bonjour, mesdames et messieurs. Ça va swinguer, là. Ok. Alors. Très bien. On est pas mal, en vrai, non? On est pas mal. On va repasser là. Hop. On a fait qu'un bâtiment. Alors, on va refaire lui. Hop. Bon, bah, il y a beaucoup à fouiller. Mine de rien. Et ça, y a rien. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ils nous prennent pour des moutons. Montrez les crocs. D'accord. D'accord. Rejoignez le front de libération de Washington. Ok. Ok, ok, ok. Pas la première fois qu'on voit qu'il plaisait. Ça, je prends. Une balle, ça reste important. Une balle, c'est une balle, mine de rien. Allez. Hop, ici on n'a rien. On peut se tirer, on peut continuer. Attends. Attendez, on n'est pas... On n'a pas fouillé ici, je crois. Voilà. Un chiffon, c'est un chiffon. On crache pas dessus. Ok, let's go. Oh. Oh, il y a des... Non, attendez, 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 attendez.
partout. On peut rentrer partout. Ok, ça relie l'autre magasin, je parie, non? Non, pas du tout. Forcément des trucs intéressants. Un chiffon. J'ai peur. Oh non, arrêtez ça, hein. Ok, un arc. D'accord, Boris Legasov. Première place, ok. Donc il y a un arc. Il y a l'arc, ça y est, je vais l'avoir enfin. Je vous cache pas que je l'attends. C'est plutôt pas mal. Joyeux anniversaire, papa. Le meilleur tueur de claqueurs de toute la ZQ. Ok. Je vais avoir un arc. Enfin, ça y est. On y est, les amis. Ce jour tant attendu. Un arc, toujours pas. Putain, c'est pas vrai, j'aurais jamais mon arc. On a combien en pièces, là? Cadence de tir, stabilité, je peux quasi tout faire. Moi, il me faut la lunette, hein. Il me faut la lunette de sniper. Ok, on va attendre. On va attendre d'en avoir un petit peu plus. Je veux cette putain de lunette. Là, ça va, la comédie. Et je veux cet arc aussi, mine de rien. Là. Enfin, parce que c'est bien beau, tout ce qu'on trouve, mais... Mais il n'y a pas de quoi, tu vois. Pas de quoi faire le thug. Il n'y a vraiment rien à faire avec ça. Genre à le regarder et se dire « Ah, putain, c'est trop bien. Il a un arc dans les mains, je peux avoir un arc aussi. » Non, vraiment rien. Oh, fait chier. Eh ben, vous savez quoi? On va s'arrêter là. On finit, on sort de cette petite boutique des familles. Et il n'y a malheureusement pas de putain d'arc. J'ai le démon. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Quel flashback en tout cas on a eu, les amis. C'était insane. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.